François Sanson, artiste peintre, 38 ans, autodidacte. Ça fait 10 ans, 11 ans en septembre cette année que je peins. Ça fait depuis 2003 que je suis en galerie. L'enfoncement de mes tableaux, ça a commencé en 2002. Ça a commencé comme souvent les découvertes qu'on fait, c'est souvent les accidents qu'on fait. Et c'était un tableau que je travaillais depuis des semaines. À force de travailler, le tableau s'enfonçait par lui-même. Et là, c'est là que j'ai vu, oh, OK, il y a quelque chose. Et là, j'ai poussé vraiment l'enfoncement, commencé à attacher la toile pour la tirer de plus en plus. Premièrement, c'est de la toile professionnelle. C'est la toile 15 onces. C'est la toile la plus épaisse qu'on peut retrouver sur le marché. Si on attacherait de la toile standard qu'on retrouve chez le marchand, de la toile de 7 à 10 onces, ça ne fonctionnerait pas. La toile est attachée et tirée vers l'intérieur avec carrément du fil à pêche. Puis ensuite, il y a du gesso qui est appliqué, qui va venir vraiment fermer le tissu. Tous mes empattements, c'est du mortier à base de poudre de marbre. C'est ça qui va vraiment donner le côté sculpture, puis vraiment la forme qui va tenir. On pourrait couper les fils, vraiment le tableau va rester intact. De toute façon, l'effet d'enfoncement, malheureusement, rendu à 25-30 pieds, il va se perdre. Ça ne donne rien d'aller à un pied. Ouais. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai rapissé. Et cette technique-là, c'est vraiment rendu mon trademark, là, vraiment. Il y a toujours une maison, elle peut être minuscule, elle peut être très grande. C'est vraiment la notion d'habiter le tableau. C'est vraiment ma maison à moi. T'sais. Je m'installe dans cette maison-là. Quand le tableau est vendu, le tableau part, je refais un tableau et je me reconstruis une maison, ainsi de suite. C'est toujours comme ça que je fonctionne. Mais il y a toujours une place pour moi dans le tableau, là. Avoir à choisir, être artiste ou choisir autre chose, je choisirais autre chose, honnêtement, parce que c'est le plus beau métier du monde, mais ça prend, la peinture, ça prend tout. Ça prend, tu manges peinture, tu dors peinture, ça n'arrête pas. Tu n'en rêves la nuit, ça fait partie de ta vie, vraiment, là, ça prend ta vie et il y a le reste ensuite. La peinture, c'est la chose la plus vraie au monde. Tu peux pas compter des menteries. C'est vraiment la vérité. Puis tu peux regarder vraiment une série de tableaux sur 5-6 ans de carrière. Puis tu le vois tout de suite, les états d'âme, qu'est-ce qui a été traversé. Et là, j'ai besoin de lumière dans mes tableaux. On le voit très bien. Là. Mes couleurs ont beaucoup changé. Je pense que je vais beaucoup mieux. On le voit dans mes tableaux, les couleurs sont plus claires, sont plus. Ça me reflète beaucoup plus aujourd'hui. Je pense que je suis beaucoup plus heureux que là, 5 ans. T'sais. Le côté chaotique de mon atelier, c'est super important. C'est vraiment. Il y en a autant sur la toile qu'au plancher, sur les murs. J'ai besoin d'une vraie atelier où ça sent la matière. C'est. Oui, c'est chaotique, mais c'est un chaos qui a quand même sa place, tout à sa place. Ça fait 7 ans que je peins avec cette palette-là. C'est juste une accumulation de peinture. Hein. C'est ça, ça pèse une tonne, je veux dire, ça bouge pas de là. On parle tantôt du chaos, mais organisé, c'est vraiment ça. Ça, c'est important. Là. Ça tient tout. Hein. Quand tu commences à peindre, les chemins sont vraiment, ils s'ouvrent vraiment. Tu explores et tu as l'impression de ne pas avoir de limites. Et plus que tu peins, là, tu ne veux pas reprendre les mêmes chemins. Donc là, ça commence à rétrécir. Et ça devient de plus en plus. Le chemin, il ratisse de plus en plus. Tu n'acceptes plus de passer à des places, de refaire le même tableau. Tu veux toujours te mettre en danger, de pousser ta recherche plus loin. C'est là que ça devient intéressant, mais dur, parce que ça demande de te mettre en danger. T'sais. Et ça, c'est pas tous les jours que tu as le goût de... pas tous les jours que tu as le goût de le faire. Il y en a qui vont faire le même tableau toute leur vie, ils se poseront même pas cette question-là. Des fois, je les envie, mais en même temps, ça doit être plate un petit peu. Là.